voulais dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés ensemble avec nous pour écouter la parole de Dieu ce soir, car aujourd'hui c'est une réunion de délivrance. Donc ce soir, et mon courage à toutes les personnes ce soir qui trouvent le temps, donnent le temps ce soir pour écouter la parole, pour grandir dans la parole et pour connaître encore plus dans la parole. Et vraiment, ce soir, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous a accordé ce soir, pour vraiment nous capables de gagner cette liberté pour écouter la parole de Dieu et pour capables comprendre et nous développer encore plus dans la vie spirituelle. Donc, malgré nous connaître peut-être très saut, et donc, nous pensons que chacun maintenant dans sa maison, et nous demandons que vous êtes à l'aise ce soir, vous êtes à l'aise avec votre famille ensemble. Donc on croit tous les membres de notre famille pour écouter, pour comprendre. Et aussi nous demandons aussi pendant que la prédication peut prêcher, tout membre de la famille dans votre case, évite de vous distraire en vous-même, sinon vous pas pour comprendre qui peut prêcher. De vous juste écouter, mais vous pas pour comprendre. Donc donnez une attention très spéciale. Parce que ce soir, Dieu a quelque chose qui est merveilleux pour toutes les personnes qui peuvent écouter ce message. Donc, vous trouvez qu'à chaque fois que le message peut prêcher, et depuis le confinement qui vient de commencer, le message Dieu peut donner, c'est spécialement pour encourager son peuple, pour encourager son troupeau, pour encourager son brebis, pour encourager aussi sa chrétien, pour encourager pour ramène-le plus près avec Dieu, parce que comme la parole de Dieu dit dans l'épître de Paul à Timothée, que dans les derniers temps, comment la vie est plus difficile, et vraiment quand nous guettons la situation de la vie qui peut passer, et vraiment, il paraît très difficile. Mais la Bible aussi dit quelque chose, lui dire à son peuple, ne vous inquiétez de rien, n'a pas inquiète-nous ce qui peut passer, ce qui peut passer. Moi, c'est quelque chose que je connais par la foi et mon courage, Dieu a un plan spécial pour son peuple. Dieu a un plan spécial pour son troupeau. Dieu a un plan spécial pour son bien-aimé. Malgré ce qui peut passer tout autour de nous, mais nous connaissons nous protéger comme la parole de Dieu dit, quand toutes ces choses arriveront, vous, mon peuple, un brin de vos cheveux ne seront touchés. Voilà ma promesse de la bénédiction que Dieu lui accorde à son dans chaque maison que ces paroles pour descendre ce soir, moi me dire c'est une bénédiction qui pour être dans chaque maison des enfants de Dieu. Chaque maison des enfants de Dieu, la parole vraiment est une puissance. Dieu dans chaque maison que sa parole peut écouter, peut prendre en considération et dans le respect et dans la crainte pour sa parole, moi me dire dans chaque maison, dans chaque la case, Dieu même est présent au milieu de son peuple. Malgré qu'il y a en dehors et dans vraiment toute une épidémie, et dans dehors toute une grande difficulté de la vie, mais Dieu est au milieu de son peuple parce qu'il dit « Moi pas pour dire les autres et moi pas pour abandonner les autres ». Donc, peuple de Dieu, ce soir, nous l'encourageons, pas vivre dans la peur, pas vivre dans la crainte. Ce qui peut passer, la crainte de l'homme, qui l'homme peut dire, qui l'homme peut expliquer, la science, qui lui peut dire, qui bonne personne peut dire, qui peut être, etc. Non, je ne peux pas dire, mais nous, dans une grande et grande sécurité, parce que nous trouvons sous l'abri du Très-Haut. Nous protéger, nous garder dans la main de Dieu. Donc ce soir est vraiment, nous voulons vraiment dire tout un chacun qui peut brancher, qui peut joindre nous. Nous voulons dire que Dieu les compte en autres, Dieu les bénit autres, Dieu a un regard favorable aux autres. Donc Dieu par les haines qui se troupent, les périr. C'est pour cela que la parole de Dieu ce soir, les profite dans chaque maison. Chaque maison, la parole de Dieu pour descendre ce soir. Pour Dieu vient dire tout un chacun de vous, que Dieu pour dire moi avec toi, moi compte en toi et n'a pas inquiète-toi de rien. Donc ce soir, avant qu'il nous entende la parole de Dieu,
puisque ne fait parole de Dieu, ne fait parole du Saint-Esprit, ne fait parole de sa parole. Donc la parole est capable de prêcher, mais sans le Saint-Esprit, rien ne peut arriver. Sans le Saint-Esprit, la parole même n'est pas capable de sortir. Alors ce soir, laisse-nous tous nous mettre nous les cœurs ensemble. Nous invite ce grand Saint-Esprit-là, que ce soit dans la maison de chaque personne, chaque famille qui n'a assisté ce soir, chaque famille qui fait une rente vraiment dans ce site pour écouter le message ce soir, cette réunion de délivrance. Chaque personne accueille dans sa maison cette grande personne du Saint-Esprit. Peut-être, et autres, pas pour prêcher, je peux seulement écouter, mais pour nous écouter, il faut des fois nous comprendre qu'on nous peut écouter. Qui s'en a pour faire nous comprendre? Qui s'en a pour enseigner nous plus mieux qu'un homme? C'est le Saint-Esprit. Donc, demande l'aide et la directive du Saint-Esprit afin qu'il les guide, les dirige, les ouvre l'intelligence, les dévoile l'intelligence, les yeux spirituels. Tout le cas, il est tombé, le voile est enlevé et qu'il soit capable d'écouter, comprendre, bénir, développer. Et c'est là qu'il se peut glorifier Dieu de tous les cœurs. Donc, avant qu'il nous commence, en premier lieu, laisse un moment nous passe dans la prière et nous dit Dieu merci pour tout ce qu'il est pour faire. Moi, mon père n'a rien pour me faire. Si je demande mon frère qui est là, moi, mon père n'a rien. Mais si la parole il peut prêcher, c'est grâce avec le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai besoin du Saint-Esprit. Moi-même, j'ai besoin de sa papa qui est dans les ciels là. Moi-même, j'ai besoin de sa Jésus qui vient se disant de la croix là. J'ai besoin de se disant, j'ai besoin de sa présence. Donc ce soir, nous tous, nous connecter, nous les cœurs ensemble, laisse-nous passer un moment dans la prière. Père Saint, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi les prie toi ce soir, moi les bénis toi, moi les loue, moi les glorifie toi ce soir, mon Dieu. Merci pour cette réunion de délivrance, Papa, pour vraiment, Seigneur, toi-même, pour prendre le contrôle de maintenant. Tout dit dans ton lame, Papa, l'éternel Dieu, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tout dit dans ton lame, la parole dit dans ton lame, le message dit dans ton lame, sa peuple-là de l'île Maurice en entière dit dans ton lame, Papa, pareil comme dans les temps des actes des apôtres, mon Dieu, qui vraiment, quand Pierre fit mettre debout, fit prêcher, Seigneur, 3000 âmes fit être sauvées, ça joue là, Seigneur, et de même, nous pouvons vivre dans sa temps des actes des apôtres, là, vraiment, nous déjà dans sa étant là, Seigneur notre Dieu, et ce soir que vraiment sa parole-là il descende dans l'équerre de l'île Maurice en entière, des centaines de milliers de âmes l'y entendent, et vraiment les libérer, les délivrer, les sauver pour tout la gloire, mon Dieu, parce que vraiment le jour peut rapprocher que le Maître l'y peut retourner, mon Dieu. Seigneur, c'est toute une préparation qu'il nous peut faire ici-bas, mais prépare nous-mêmes, mais prépare nos familles, notre maison, Seigneur, mais prépare toute l'Église qui te donne nous sous nos responsabilités pour le travail au milieu de sa peuple-là, Seigneur, et aussi pour travail avec tout au peuple qui trouve dans l'île Maurice, qui vraiment, Seigneur, te accorde nous la faveur à travers la dernière technologie qui est dans, Seigneur Dieu, et vraiment, Seigneur, les internautes, Seigneur Dieu, que la parole lui peut prêcher, lui peut être visionnée dans toute maison, Seigneur, dans sac la case, Seigneur, poussé par le Saint-Esprit qui est tout le potable. Je entre vraiment, Seigneur Dieu, en opération à l'instant même dans le nom de Jésus, qui tout le potable, je ouvert, mon Dieu, l'eau, ce site de ce soir de Seal Church, l'ai ouvert, mon Dieu, qui tout ça rigole à braquer l'autoparole. Seigneur, quand rigole, il braque l'autoparole, veut dire qu'il rigole de sa peuple-là, il braque l'autoparole, mon Dieu, Papa Saint-Esprit, touché, convaincre tous les habitants de l'île Maurice en entière, que vraiment cette parole descende au milieu des autres, par centaines, par milliers d'âmes, écoute ta parole, et une grande révolution à l'instant même dans le monde spirituel, Papa, une grande révolution de la puissance des démonstrations de la personne du Saint-Esprit, qui Saint-Esprit lui-même peut vraiment faire une grande démonstration à l'instant même dans le monde spirituel. Seigneur, ben la scène peut casser, mon Dieu,
ban oreille qui soude spirituellement, Seigneur, peut ouvrir ban l'esprit, ban pensée qui est vraiment bloqué, enveloppé par les ténèbres, peut briser, peut casser sa ban la scène là, sa ban voile là, peut déchirer, mon Dieu. Et je l'intelligence peut ouvrir, je l'esprit peut ouvrir, et je peux chercher, je peux rechercher, Seigneur, je peux rechercher Dieu ce soir, pendant qu'il peut rechercher toi, Seigneur, le Saint-Esprit peut convaincre sa ban les qui est là, va mettre tous ensemble dans le commun accord, puis amène autres, mon Dieu, l'osa channel qui vraiment ta parole peut prêcher là ce soir, comment vraiment il y a une grande démonstration de la personne du Saint-Esprit, comme des âmes qui sont malades, comme des âmes sont dans les mauvaises, l'état de vivre, Seigneur, comme des âmes sont attristées, Seigneur, parce qu'ils manquent de la nourriture, ils manquent d'amour dans leur cœur, dans leur vie, ils manquent encore de la connaissance de la parole, vraiment chacun de ces bonnes âmes-là, connais vraiment, Seigneur, c'est toute haine, vraiment, Seigneur, catastrophe qui peut atteindre sa bonne âme-là et sa bonne âme-là au-dedans de sa bonne personne-là. Et une révolution ce soir, une révolution. Sa bonne âme-là peut demander sa oxygène spirituelle-là. Vous êtes prendre les souffles de notre Dieu qui n'a vraiment, Seigneur, un renouvellement ce soir, qui a une restauration dans la vie de cette personne-là et sa bonne âme-là. Et ce soir, je prends l'autorité dans le nom de Jésus, je brise tout l'empêchement, l'interdiction, tout la puissance de ténèbres, les briser, les casser, les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Et je réclame le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus de Nazareth, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu, merci Saint-Esprit, amen. Merci notre Dieu. Donc voilà ce soir, mon profite d'occasion encore, ce qui peut joindre nous, il fait joindre nous et peut-être quelques minutes de cela. Nous faisons un coucou avec Zot, un petit bonjour, un petit bonsoir et spécial à tous ceux qui ont besoin de nous. Et aussi peut-être un nouveau, nouvelle, peut-être un qui est habitué à suivre nous. Donc ce soir, nous encourageons qui nous dit Zot, jamais trop tard dans la vie, jamais rien finit perdu dans toute la vie, jamais que Dieu lui pour détourner lui contre toi, non. Au contraire, ce soir, le bras de Dieu lui ouvert pour toi, l'amour bon Dieu est toujours là pour toi. Dieu compte en tout un chacun de vous et que la grâce, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Et ce soir maintenant, laisse-nous tourner vers la parole de Dieu. Et ce soir, vu qu'il y a un rayon de délivrance, ce soir, et pendant qu'il prépare le message, quelque chose que Dieu ne fait pas comprendre, ce soir, peut-être il y a une personne qui est malade, une malade physique, et non, tout à l'heure, nous prier. Mais ce soir, il y a plus spécial que ça encore, qui vraiment Dieu lui fait montrer ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui sont la même malade aujourd'hui, m'aurait dire. Beaucoup de personnes, votre âme est malade, votre âme peut souffrir, votre âme peut rôder l'air fraîche, nous dire un oxygène spirituel, veut dire une parole, un message qui est fraîche, un message qui est puissant, qui pour ranime vraiment sa bonne âme-là, avec sa oxygène spirituel-là, qui nous appelle la parole de Dieu. Donc ce soir, monsieur, est certain que la parole de Dieu pour finir prêcher, et donc, beaucoup des âmes pour reprendre le souffle, beaucoup des âmes pour regagner la force, beaucoup des âmes pour regagner sa la paix, sa la joie là dans son équerre, dans son âme, son âme pour réjouir lui dans la présence de Dieu. Donc, pour qu'il nous l'âme les réjouir, pour nous l'âme les guérir, vivre en bonne santé, l'important c'est que nous besoin qu'on écoute ce soir. L'important, c'est que nous devons écouter ce soir et nous donne tout, nous l'attention, ce qui pour prêcher et ce qui comment nous pour écouter. Donc, ça, ce soir, chacun pour bénir dans la façon qu'il est pour écouter. Quand vraiment la façon qu'il est pour écouter, c'est sa même façon qu'il est pour bénir dans son vie. Nous tournons la Bible dans le livre de Hébreux, dans Hébreux. Mm-hmm.
Épître aux Hébreux, le chapitre 11, Hébreux, Épître aux Hébreux, le chapitre 11, nous pouvons lire le verset 7. Hébreux 11, 7. On commence la lecture. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc, il nous parler ce soir pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, laisse-nous couper la tête, nous bénis Dieu pour sa parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, mon prier, mon bénis-toi Dieu, mon rendre grâce, mon glorifier, mon exalter toi, mon donne-toi gloire et l'honneur. Merci Papa, mon glorifier le Saint-Esprit, car lui-même l'invité d'honneur dans cette réunion, sans lui, n'en y est pas pour capable de faire, parce qu'il m'a simplement un canal qui te pour canalise tes paroles. Seigneur, me donne-toi toute la gloire ce soir contre le Saint-Esprit pour glorifier le nom du Père et le nom du Fils, pour glorifier à travers le Saint-Esprit, à travers le message qu'il est calibré ce soir pour descendre la vie de son peuple. Béni soit Dieu dans toute sa grâce, dans toute sa bonté, dans toute sa miséricorde. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et voilà ce soir ce que nous finissons dans Hébreux 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Et la parole de Dieu, la Bible dit à nous, peut-être qu'on peut guetter le verset, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti. Donc ce soir, avant qu'il vous rentre dans le message, comme la parole de Dieu, la Bible vous dit à nous dans le livre de Jérémie qui nous compte pas cœur, Jérémie 29, 11, il vous dit quand je connais les projets que je fais pour vous. Vraiment, c'est un projet de bonheur et non pas de malheur. Jérémie 29, le verset 11. Donc Dieu ayant un projet de bonheur pour tout un chacun de nous. Toi qui peux écouter ce soir, peut-être pour la première fois ou la deuxième fois, peut-être dans l'autre église, ça ne dit rien, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est la même parole qui prêche dans toutes les églises. Et ce soir, Dieu voulait dire à tous aux bons enfants, à tous aux peuples, à tous ceux qui finissent connectés et qui pour connecter, vraiment, ça cite là pour écouter le message, Dieu lui dit à toi ce soir, Dieu ayant un plan de bonheur pour toi et non pas de malheur. Qui ça, lui vraiment, lui bien important, qui ce soir nous prend ça en considération. C'est ça même la base qui vraiment nous l'est, qui se pose la foi, sa base là ce soir. Pose confiance, l'espérance, enlève tout ben doute qui est dans notre cœur concernant vraiment la vie de tous les jours. Dieu lui fait la promesse, Jérémie 29, 11. Dieu dit vraiment, il y a un projet de bonheur pour toi ce soir, et non pas de malheur. Donc, et aussi nous pouvons guetter, nous avons plusieurs questions qu'il nous peut poser ce soir. Et chaque question qu'il peut poser ce soir, chaque enfant de Dieu qui peut écouter ce soir, il peut gagner un moment pour lui gagner, pour lui réfléchir ce soir. Tu peux gagner un moment pour réfléchir dans ton la case avec ta famille et ta famille ici pour gagner l'occasion pour lui réfléchir sur la vie de tous les jours. C'est pour cela qu'il nous pose beaucoup de questions et pourquoi beaucoup de personnes, vraiment, le chrétien surtout nous parle pour un enfant de Dieu, pourquoi beaucoup de chrétiens ont la marche, vraiment, il y a de la marche à la légère avec Dieu. Qui fait beaucoup de chrétiens ont marché à la légère. Pour qui raison? Deuxième question,
qui fait pourquoi beaucoup de personnes les vivent un la vie de routine tous les jours dans son la vie. Qui fait la vie de chrétien, il y a la vie routine. Routine dans tous les sens. Les commencer le matin jusqu'au soir, même action, même tournant de son la vie, le même déroulement dans son la vie. Et là, nous dire, ça la vie, ça chrétien là, sur la vie, c'est un la vie routine. Deuxième question. Troisième question, nous dire, pourquoi de personnes y arriver dans son la vie, les décourager très vite dans son la vie. Qui fait, ben chrétien, ne peut pas, ben chrétien, parce que qui fait, le monde lui pas connaît la vérité. Le monde tous les jours dans ce qui lui passait est un découragement et est vraiment catastrophe parce qu'il fait les pas connaît qui sécurité y est non les pas connaît code sur sécurité trouver les pas connaît qui peut attendre les pas connaît qui capable arrive les pas connaît comment les pour traverser. Donc beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens se découragent très vite dans notre vie. La question lui posait: pourquoi beaucoup de personnes, quand nous parlons de personnes, nous parlons de chrétiens. Pourquoi beaucoup de chrétiens, très vite, se décourager dans la vie? Et l'autre question encore lui poser, pourquoi beaucoup de personnes ayant la foi comme le vague de la mer? Ayant la foi, mais comme le vague de la mer. Un moment les bas, un moment les hauts, un moment oui les capables, un moment les dire et les prend une décision vraiment un moment les prend une bonne décision dans son vie. Après tout un petit moment nous trouve après je décision licenciée. Donc la foi les comme le vague de la mer. Pourquoi? Qui fait la foi les comme le vague de la mer? Un petit moment. Donc, nous prenons une bonne décision et après un petit moment, nous sommes une décision. Nous-mêmes, nous pas stables. Nous-mêmes, nous pas connaît quelquefois qui nous les fait, qui nous envie faire, comment nous les faire, quelque chose là. Nous, la vie vague. Donc, il y a beaucoup de questions pour ça. Qui faire, qui faire, qui faire. Donc, ce soir, maintenant, nous pouvons parler un petit peu le thème de ce message. Marcher pour atteindre un objectif. Marcher pour atteindre un objectif. Donc, quand nous finissons dans la parole de Dieu, Hébreux 11, le verset 7, nous trouvons, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce que vraiment, de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pièce crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc, nous pouvons descendre encore, nous pouvons expliquer un petit peu encore, avant qu'il ne pour rentre dans ce qui, dans le titre de ce message, marcher pour atteindre un objectif. Donc, il y a beaucoup de questions qui me posaient. D'ailleurs, nous pouvons décrire ça, nous pouvons expliquer plus clair. Qui fait ça dans la catégorie chrétienne là? Qui fait énorme marche à la légère, qui fait énorme lui amène une la vie routine, qui fait énorme décourager très vite, qui fait énorme à la fois comme une vague de la mer, quelquefois une bonne décision, quelquefois un sens de décision, un sentiment de décision. Donc, qui fait tout cela? Donc, pareil, comme la parole de Dieu lui dit à nous, est vraiment comme tu dans le peuple d'Israël, quand Dieu finit. Qui est vraiment tiège depuis les ZIP, nous commençons à écouter maintenant de distance dans les messages et nous pouvons trouver maintenant qui faire. Donc, Dieu, quand il tient le peuple d'Israël, il a libéré le peuple d'Israël dans la main de Pharaon, il tient dans l'esclavagisme, il tient dans l'Égypte. Quand Dieu tient dans l'Égypte, qui bon Dieu expose devant sa peuple là et en retour, qui donne autre courage, donne autre la force, qui donne autre vraiment. Et un nouveau l'espoir dans notre vie. Qui finit de nous autres cela pour qu'ils soient capables de quitter l'Égypte et de finir sortir, de finir suivre Moïse comme un berger qui Dieu finit mettre
à sa troupeau là. Donc, première chose que bon Dieu expose, fin mettre devant sa peuple là, Dieu fin montrer son plan à sa bonne peuple là. Ce que Dieu fin dépose devant sa peuple là, c'est ce plan. Qui plan bon Dieu il dépose? Qui bon Dieu fin mettre? Dieu fin dépose son plan, fin décrit à son plan, code pour amener sa peuple là. Le plan de Dieu c'est pour amener autres sur la terre promise, le Canaan vraiment terrestre. Le Canaan terrestre. Nous pouvons écouter très attentive ce soir. Quand Dieu fit tirer sa peuple là dans l'Égypte, qui était esclave dans l'armée de Pharaon, nous connaissons l'histoire combien de misère sa peuple là fit passer, combien fit mort dans l'Égypte comme esclavage. Criez, jusqu'à ce que Dieu finisse la voix, finisse la prière, finisse la requête dans l'Égypte. Dieu finisse prépare Moïse. 40 bonnes années, Dieu finisse amène Moïse, finisse prépare Moïse. Et Dieu finisse envoyer Moïse vers sa peuple-là. Quand finisse envoyer Moïse vers sa peuple-là, Dieu finisse montrer le plan qui est là pour sa peuple-là. Qui plan qui est là, mon Dieu? Ça même dans Jérémie 29, 11 pour dire. Dieu pour dire tout à chacun de nous, toi y compris qui peux écouter ce soir, Dieu toi, il y en a un plan de bonheur pour toi. Non pas un plan de malheur. Le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte, sa peuple là, c'est Dieu qui a un plan de bonheur pour sa peuple là. Quel est le plan pour sa peuple là? C'est conduire sa peuple là dans la terre promise, le Canaan vraiment terrestre. Quand coule le lait et le miel. Mais une question lui poser là-dedans, combien fin réussit là-dedans? Donc, le thème de ce message, marcher pour atteindre un objectif. Pareil, comment nous dire, beaucoup de questions lui poser, qui fait chrétien mort à la légère, qui fait chrétien vivre la vie routine, qui fait chrétien découragé très vite, qui fait chrétien sur la foi, comme une vague de la mer. Qui fait un chrétien qui mal, il prend une bonne décision, parfois après une récente décision, qui fait parce que beaucoup de chrétiens peinent un objectif dans la vie. Quand nous parlons objectif, veut dire je peine un but dans la vie. Chrétien pensé, il fait naître de nouveau, il passe à travers eux du baptême. Maintenant, tout à l'heure, nous pouvons Lola. Le royaume des cieux fini gardé pour lui maintenant et gratuitement fini gardé. 25, 30, 40, bonne année, qu'il est pour faire, il n'est pas pour faire, pas fait non rien, le royaume de Dieu fini réservé pour lui. Qui fait vraiment et nous pense comme ça, parce qu'il nous peine un objectif. Donc quand nous guettons sa peuple d'Israël là, Dieu fini tient autres dans l'Égypte. Quand Dieu fait mettre son plan devant autres, oui, fait un plan pour rentrer dans les Canaan terrestres, quand le lait et le miel y coulaient. Mais la question lui posait, combien parmi là-dedans fait réussir à atteindre notre objectif? Combien fait réussir à atteindre notre objectif que Dieu fait mettre devant autres? Pareil comme Noé, la Bible dit dans Hébreux 11, 7, Dieu fin parle à Noé, nous pouvons l'aller un petit moment encore, nous pouvons éclaircir, nous ça topique là, nous parlons l'étape par l'étape, qui fait beaucoup maintenant, et pas de réussir dans le Canaan et terrestre, qui fait beaucoup pas de réussir, parce qu'ils n'ont pas de focus leurs autres objectifs. Un moment, je fin prendre une décision, la foi là, fin grand, fin vivant, quand tes autres, ils mettent le meilleur devant eux autres. Le plan de Dieu, il y a le meilleur pour eux autres. Je finis un moment, vraiment, la foi là, fin grandit, la foi là, fin vivant. Mais après toute la marche qu'ils ont fini, non, je finis oublier les autres objectifs qu'ils ont été là. Finalement, toute chose finit passer au milieu des autres. Donc, toute qualité causée finit lever au milieu des autres. Tout qualité qui sort fin traversé, et non sur la foi fin détourné, et non sur la foi fin refroidi, et non il retourne dans le péché, et non réel commettre le péché, et non il retombe dans une erreur.
col beaucoup fin paye un prix bien faux pour cette erreur qu'ils ont commettre, le prix nous dire, quand nous dire, le récompense qu'ils ont gagné, vraiment, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup fin tomber, fin mort dans les déserts, que Dieu fin frapper la terre, fin ouvert, nous colle l'histoire très, vraiment, très clairement. Donc, beaucoup fin tomber, les autres chemins, beaucoup fin tomber, les autres la route. Qui fait fin tomber? Parce qu'ils ont pas fin énorme, un objectif, que vraiment, ils ont besoin de focus de sa objectif là. C'est un petit nombre, c'est un petit poignet qui maintenir sa position, malgré qu'il est capable de finir dans les autres chemins, malgré qu'il est capable de passer les autres la vie, mais ce fait une grande position parce qu'ils ont un but. Ils ont un but dans notre la vie, coude que coude. Ils ont pour bizarre à mettre les autres les pieds dans sa Canaan terrestre là. Je pour bizarre rentrer dans la terre promis là, ça c'est objectif. Pourtant, quand fin la banque qui sort, fin traverser, ça va un petit point là, si tu pommes. Mais ça va ne faire autre ni chaud, ni frais, ni faire autre tenter, ni faire autre séduire. Parce qu'ils ont un objectif. Je connais que je peux aller. Donc, aujourd'hui aussi, quand nous guettons, l'histoire, il peut répéter, pareil comme tu répétais dans les anciens temps. Pareil comme tu répétais dans les temps de l'Égypte, le peuple d'Israël. Pareil comme aujourd'hui, mon Dieu, nous aussi, le chrétien qui nous l'a ce soir, Dieu fin tient nous dans ça, les mondes-là, et Dieu fin montrer nous aussi ce plan qui est non pour nous. Qui plan, mon Dieu, fin montrer nous quand il tient nous dans ce monde-là? Qui plan les mettre devant nous? Nous retournons le Jérémie 29, 11. Dieu dit, il y a un plan de bonheur pour toi et non pas de malheur. Nous aussi, quand nous sommes dans ce l'Égypte-là qui appelle le monde, qui Dieu fin expose devant nous? Dieu fin expose devant nous, cette fois-ci, le Canaan céleste. Le Canaan céleste qui nous dit le royaume de Dieu. Là-bas seulement, et pas pour couler le lait et le miel, mais là-bas seulement pour énorme la vie éternelle. Voilà le plan qui bon Dieu fin mettre devant nous. Dieu fin mettre devant nous vraiment le plan qu'il fait nous connaître énorme un royaume qui peut atteindre toi là-haut, le royaume de Dieu, et une place que Dieu fin préparer pour toi. Donc, et ce soir nous pose la même question. Combien de chrétiens peuvent prendre cela au sérieux? Combien de chrétiens peuvent prendre ça comme si pour lui c'est un but dans son vie, ou ne peut pas dire pour ça chrétien qu'il sort dans sa lémon là, son objectif de son vie, c'est un jour il rentre dans le royaume de Dieu. Son objectif, c'est qu'un jour il rentre dans le royaume de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes nous disent, l'histoire peut répéter pareil, comme dans les temps de Pharaon dans l'Égypte, beaucoup participent casse la tête, malgré que Dieu fin expose ce plan de merveille qui est là pour autres, pour ce bon peuple, mais très peu fin prend en considération. Sur le mi-parcours, sur le mi-chemin, beaucoup fin sans décision, il n'est plus focus. L'ours à la terre promis là, beaucoup n'est plus parle de la terre promis, beaucoup n'est plus parle de Canaan, beaucoup n'est plus parle de lait et le miel qui coulait dans l'abondance dans les Canaan terrestres. Chacun fin retourne dans son péché, dans son faiblesse, dans son erreur, dans son murmuré, dans ce monde, mauvais conseils, mauvais paroles, tout beaucoup fin retourner et beaucoup fin périr. Mais aujourd'hui, peut-être beaucoup pas peut rendre compte aujourd'hui que l'histoire peut répéter à nouveau. Quand Dieu fin mettre le plan du salut devant nous, le plan qu'il dit, moi, Pierre, auprès du Père, mon a préparé une place
pour chacun de nous. Voilà que beaucoup de chrétiens, que nous posent beaucoup de questions, pourquoi beaucoup de personnes marchent à la légère, pourquoi beaucoup de personnes vivent la vie routine tous les jours, pourquoi beaucoup de personnes, d'un simple petit qui seul, il finit découragé bien vite, qui fait beaucoup de chrétiens, quand je parle de personnes, des chrétiens, qui fait beaucoup de chrétiens, l'ipena en la foi qui est solide, mais sur la foi, il va comme est vraiment le vague de la mer. C'est pour la seule raison que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas prendre sérieux vraiment le plan que Dieu finit mettre devant eux. Dieu expose ce plan devant nous, le salut. Dieu expose ce plan qui est là pour nous, le royaume des cieux. Dieu expose ce plan pour nous et dans la vie éternelle. Combien de chrétiens peuvent prendre cela au sérieux? Combien de chrétiens peuvent prendre ça comme l'objectif de la vie? Beaucoup de chrétiens à nos jours nous finissent détournés de nos objectifs. Nous finissons détournés de nos buts, de nous la vie. Je dis beaucoup de chrétiens, la réalité est là. Cette église, il parle toujours la vérité. C'est l'objectif qui beaucoup, la majorité de chrétiens, finissent faire l'objectif de sur la vie. Les choses matérielles finissent un objectif priorité dans sur la vie. 95% les enfants de Dieu, les chrétiens, 95% dans toute la bouche de chrétiens, 95% chrétiens parlent seulement les choses qui se trouvent ici-bas sur la terre. Seulement les choses ici-bas sur la terre. 95% chrétiens, vraiment, ce qui les peut inquiéter à nos jours, beaucoup de chrétiens les peut inquiéter avec les choses ici-bas sur la terre. Ça même qui trouve beaucoup de chrétiens finissent dériver l'eau sur la vie comme c'était dans le temps de Pharaon dans l'Égypte. Quand finit-il le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël sur lequel finit retourne à nouveau incrédule. Sur lesquels fin retourne dans le monde à nouveau, pareil comme dans le temps de Lot, quand Dieu fin dit à Lot, prends-toi et ta famille, sorti depuis Sodome et Gomorrhe, mais seulement quand tu es sorti pas guette pour derrière. La famille de Lot vraiment fin sorti, mais un parmi la famille c'est sa femme. La femme de Lot fin tourne en arrière, fin guetter. Comment ça, le monde-là, fin peut détruire en différé? Parce qu'il fait l'une sortie, mais sur l'équerre, tu es encore attaché dans Sodome et Gomorrhe. Sur l'équerre, tu es en Égypte. Sur l'équerre, tu es en Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, l'histoire peut répéter à nouveau. Cette fois-ci, beaucoup nous disent des chrétiens, fin sortie dans l'Égypte. Nous, l'Égypte, à nos jours, c'est le monde. Le Pharaon, à nos jours, c'est Satan le diable. Beaucoup, à nos jours, autres l'équerre, fin retourne vers le monde. C'est plus les choses matérielles qui peut inquiéter beaucoup de chrétiens. Voilà la raison qui nous la vit comme le vague de la mer. Qui fait? Parce qu'il nous peinant un vrai but dans nous la vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas connu sa raison qu'il y pémence. Qui fait chrétien découragé? Parce qu'il tellement trois quarts de sur la vie, il focus encore sur les mondes-là. Ça, les mondes-là encore dans sur la vie. Il y a encore intérêt, c'est que les choses matérielles. Moi pour faire ça, moi pour faire ça, moi pour acheter ça, moi pour bâtir ça, moi pour faire ça, moi pour faire mes enfants, moi pour faire ça, mes enfants, moi tu comptes mes enfants. Toutes choses qui aujourd'hui peut passer, c'est une que matérielle. C'est même la Bible dit qu'aujourd'hui, le monde aujourd'hui, les vins
matérialiste. Le diable finit aveugler tout le chrétien de sa latéana. Beaucoup de chrétiens finissent matérialistes sans qu'ils pensent que le but qu'ils ont fini sauver, qui le but finit chez eux dans le monde, qui le but, qui but finit chez eux dans l'Égypte. Si tu as un objectif dans ton vie pour atteindre le royaume des cieux, le chose ici-bas n'a pas pour capable de dériver de la vie. C'est pour cela que quand nous guette sa verset là, maintenant nous pouvons s'expliquer dans Hébreux 11, 7, quand vraiment, quand Dieu fit parle avec Noé, Dieu fit parle aussi avec Noé lorsqu'à la terre corrompue qui tient dans là. Et la Bible dit nous dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, le verset 6, Dieu dit, la Bible dit, Dieu regretta d'avoir fait homme sur terre, tellement les hommes furent mauvais à tel point, ils ont fini déprogrammer la terre. Aujourd'hui, ça peut répéter, l'histoire de Noé peut répéter ce qui est arrivé dans le temps de Noé, ça même peut arriver dans les derniers temps. Aujourd'hui, pareil, le monde fut dérivé, déorganisé, fut déstabilisé à un tel point que quand Dieu peut guetter aujourd'hui, c'est nous dire pourquoi cette épidémie comme ça peut frapper le monde aujourd'hui. C'est comme si c'est un plaie qui peut frapper le monde. Ou quoi, ou n'a pas quoi, il y a une vérité. Tellement aujourd'hui, pareil, ce qui est arrivé dans les temps de Noé, ça même peut arriver dans les derniers temps. Ça même peut arriver. Pas seulement du monde peut manger, boire, manger. Non, non, non. Du monde ne peut pas sur la mentalité de l'homme. L'homme, son mentalité finit changer. Sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon qu'il y vraiment lui réagir. L'homme finit changer. Et parfois, nous dire, il y en a beaucoup de chrétiens qui peuvent dériver dans ces derniers temps-là. Qui peuvent dériver parce qu'ils ont peiné un but dans notre vie. Je peine un objectif qui est capable de dire, moi pour moi, tête ça objectif là, tout sacrifice qui pour bien faire la terre, moi pour faire, mais ça n'a peinant dans beaucoup la tête des chrétiens. Le diable fait taille ça objectif là dans notre la vie. Le diable pape fait autre rappel le plan merveilleux de Dieu qui met devant autres. Le diable fait aveugler le chrétien. Quand le monde finit aveuglé, vu que nous vivons dans ce monde-là, beaucoup le chrétien sur lesquels attachés avec ça le monde-là, chrétien aussi peut aveugler dans les derniers temps. Beaucoup de chrétiens, quand vous posez, quitte objectif, sur objectif, moi pour faire ça pour mes enfants, moi pour faire ça pour ma famille, moi pour faire ça, moi pour faire ça, moi pour faire ça. Mais qui les pour faire pour ce salut? Jamais il n'y a aucune parole qui est capable de dire qu'il peut faire pour se salir, qu'il est prêt pour sacrifier dans son vie, pour lui atteindre ce salut, pour lui rendre victorieuse dans vraiment la promesse, dans le plan de Dieu, vraiment le royaume de Dieu, qui Dieu fait montrer nous ce plan. Et la Bible dit à Noé, Dieu fait parle à Noé. Quand il parle à Noé, Dieu fait dévoile ce plan pour Noé et sa famille. Donc, à partir de là, nous avons trouvé maintenant, nous pouvons écouter très bien, pas 13 heures dans un carcasse, écouter très attentivement. C'est maintenant Noé fait ayant un objectif pour lui atteindre dans sur la vie, pour lui sauver sur la vie et celle de sa famille. Qui fait qu'il a un objectif parce qu'il y connaît qui le grand malheur puis atteindre la terre maintenant. Et nous, ces chrétiens, nous connaissons qui grand malheur peut atteindre la terre. C'est moi, chrétien, fait oublier. Chrétien peut dériver l'eau sur la route. Pareil comme Dieu fait révèle Noé. Pardon. Fait dévoile Noé ce plan. Il montre l'île Noé. Tellement la terre fait corrompue. Les quais de l'homme fait tellement incrédule, mauvais. Voici, moi, je prends une décision, moi, pour détruire la terre.
Noé, range-toi un large, un bateau, bâtir un bateau, mets ta famille dans ce bateau-là, parce qu'il me paraît, un grand déluge l'eau sur la terre. Noé, maintenant, il y en a un objectif. Nous pouvons guetter son objectif. Noé, maintenant, finalement, un objectif dans son vie. Il y en a un but maintenant. Un but pour sauver sa famille. Un but, il y en a pour les vivre et rester vivre selon la promesse de Dieu. Prends-toi avec ta famille, rentre dans, vraiment dans l'arche. Rentre dans ce bateau-là. Noé peut vivre pour un objectif dans son vie. Combien de difficultés Noé fut traversé, fut rencontré dans son âme. Ou pensez pour construire sa bateau-là, fin prend un jour, deux jours, un mois, fin prend des années et des années pour lui construire sa bateau-là. Pendant qu'il peut construire, combien de difficultés il rencontrait avec les habitants de son endroit, l'habitant de son village, de son ville. Combien de paroles de découragement fut lancé contre lui? Quelle qualité, quelle chose pour parler contre Noé? Mais malgré tout ce que Noé fut capable d'entendre, écouter, subir, traverser, Noé pas découragé dans son vie. Ni l'un découragé, ni l'un laisse ses bons enfants, sa famille découragée. Au contraire, il continue, malgré quelle qualité insulte peut faire, quelle qualité de moquerie qu'il peut faire, quelle qualité de bouffonnerie peut faire avec lui, ses enfants, sa famille, il peut maintenir, il peut bâtir sa bateau-là. Parce qu'il peut faire, il y a un objectif pour y atteindre dans son vie. Quand il connaît un objectif pour atteindre dans son vie, ni problème pour faire lui décourager, ni insulte pour faire lui décourager, ni sur la vie pour vraiment pour nous dire la vie routine, ni sur la foi, lui prend la foi comme le vague de la mer. Non, au contraire, lui pour donne tout de lui-même le maximum, parce qu'il y connaît un grand malheur, un grand danger peut venir atterrir, peut venir atteindre à la terre. Son objectif, sauve lui et sa famille. Le monde aujourd'hui paraît, c'est qu'il faut arriver dans les temps des Noé, ça même pour arriver dans les derniers temps, ça même pour arriver dans les derniers temps, et nous faisons oublier, nous pouvons oublier nos objectifs. Nous aussi, nous connaissons vraiment le plan de Dieu qu'il montrait, et dans la vie éternelle, puis attend nous, et dans le royaume des cieux, puis attend nous. Et nous connaît aussi, et un très grand malheur, puis attend à la terre. La grande tribulation, puis attend à la terre. Beaucoup de chrétiens connaissent. Après l'enlèvement de l'église, et une grande tribulation, puis attend la terre. Le peuple. Les habitants de la terre. Beaucoup connaissent après que l'église fut enlevée, une grande tribulation puis atteindre, un grand malheur puis atteindre la terre. Quand nous dire, quand le mort de la bête, pour là l'apparition de l'Antichrist, toute une catastrophe qui peut atteindre chrétien. Tout chrétien connaît. Mais combien de chrétiens peut prendre ça au sérieux? Combien de chrétiens peut prendre ça en considération? Combien de chrétiens qui vraiment, quand nous trouvons, peut marcher à la légère? Combien de chrétiens nous trouvons sur la vie de routine? Combien de chrétiens nous rencontrons tout le jour dans nos chemins? Chaque mot qui saute dans notre bouche, celle qui saute qui vient divan, frère, m'ont découragé. Combien de chrétiens j'ai la foi comme le vague de la mer, ce matin prend une décision, le soir arrivé, décision sans écasser. Qui fait? Parce qu'il chrétien, il peine un but de vivre dans son vie. Aujourd'hui, serons-nous conscients? Chacun de nous qui l'a, pareil, comme d'un confinement, nous aussi, finit d'un confinement dans son bateau, dans sa bateau-là. Ici, il est confiné.
Quand il est confiné, il a trouvé qui a été erré à l'humanité fin faire. Qui a été erré à ban habitant de la terre fin faire. Qui a été incrédule, ban la fin est incrédule. Tout fin de sens pour entrer dans le bateau. Ça même bon Dieu fin donner toutes les mesures. Tant coudé et tant coudé pour rendre le bateau. Le plan de Dieu, vous revenez encore dans Jérémie, le plan de Dieu, Dieu est un plan de bonheur pour toi. Aujourd'hui, Dieu aussi est un plan de bonheur. Le plan de bonheur pour toi, le salut, la vie éternelle, le royaume de Dieu, ça, il dévoile le plan devant toi. Mais combien peut prendre cela en considération? Combien connaît dans sa vie qu'il y a un objectif? Pour la raison qu'il est une vie chrétienne, il y a un objectif pour cela. Beaucoup de chrétiens n'est que content, miracle, frère, moi content, miracle, frère, moi tu content, ça, frère, moi tu content, gagne ça, frère, priez pour moi, malade dans tête, frère, ceci, tel malade, mais quelque chose qui chrétien, papa, prend en considération, c'est que les plus importants. Plusieurs membres de nous l'école, capables, malades, peuvent souffrir. Mais ce qui est plus important, beaucoup de chrétiens, avec certitude, vont dire, beaucoup de chrétiens ont l'âme, les malades, à nos jours. Peut nourrir l'école, là, dans le confinement. Peut nourrir l'école, là, peut nourrir la chair, là. Mais l'âme, là, n'a pas pu nourrir. Qui fait pas pu nourrir? Parce qu'il peut un but de vie. Peine un objectif dans son avis. Il connaît un jour, oui, Dieu dit un jour, et l'une réserve un jour pour le royaume de Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais comme ça même pour rentrer dans le royaume de Dieu. Comme ça même le royaume de Dieu. Comme les chrétiens, ils ont l'âme malade. Et tout à l'heure, nous pouvons prier pour ça. Laisse la parole de Dieu libérer votre âme. Et Noé, quand Dieu finit de montrer lui son plan, Noé finit un objectif. Qui a été souffert, il n'y a pas de souffert. Qui a été difficulté, il n'y a pas de difficulté dans son avis. Cela, et plus que cela fit coûter lui des années et des années pour construire cette l'arche, mais il fit subir des années et des années des offenses, des moqueries, des insultes. De humiliation. Est-ce que ça fait décourage Noé? Est-ce que Noé, son target, c'était le monde? Non! Le target de Noé construire sa bateau-là, moi, j'ai besoin de sauver ma famille dans sa bateau-là. Ça même la mission de tous les chrétiens aujourd'hui, l'eau salatera. Nos missions, c'est sauver autant des âmes que possible pour faire rentrer sa bateau-là. Sauve nos familles. Mais si nous-mêmes, chrétiens qui naissent de nouveau, nous-mêmes, nous en l'air, nous-mêmes, nous passagers, nous-mêmes, nous barques de la mer, nous-mêmes, nous découragés, comment nous parlons sauver de l'autre personne? Ça aime nous dire, beaucoup de chrétiens sont là malades. Et la chrétien qui a trouvé bien en bonne santé, mais sur la malade. C'est même comme un simple petit problème traversé, le découragement d'y rentrer. C'est même beaucoup chrétien, un simple petit problème traversé, ils tombent grièvement malade parce qu'ils stressent et il y a un tracas. Qui fait le tracas? Qui fait le stressé? Le stressé, il y a un problème. Problème là, c'est problème le monde, ça. C'est les problèmes matériels dans qui il rentrait, qui ça peut accumuler dans son avis, ça peut bouleverser. Qui peut bouleverser? Les choses matérielles peuvent bouleverser. Les choses d'en haut, jamais pouvaient bouleverser un chrétien. Les choses d'en haut, le royaume de Dieu, le salut, libère chrétien. Jamais le royaume de Dieu pour bouleverser chrétien, pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Les saluts, il apporte la paix, il apporte l'amour, il apporte la joie, il réjouit pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais les choses ici-bas, il amène stress, amène fardeau, amène bouleversement.
toutes sortes de maladies. Après, il y a tête dans le corps. Nous malades, qui fait nous malades? Nous malades à cause qui sont matériels ici-bas, l'eau, la terre, pas accompli. Dans nous, la vie, ça rend nous malades. Qui fait nous pas malades pour rentrer dans les ciels? Qui fait nous pas dire nous faire la tête, les pieds? Quand moi tomber, moi ramper, mais moi pour rentrer dans les ciels. Qui fait beaucoup maintenant, moi le terminer, qui fait beaucoup maintenant en arriver, je tomber dans la vie, c'est parce que je paye vraiment nous dire un objectif. Donc, Noé, nous trouvons qui. Noé, ce qu'il fit faire, il récit à la fin des années qu'il coûtait, il accomplit ce devoir. Noé finit accomplir ce devoir. Quel était le devoir de Noé? Quel était l'objectif de Noé? C'est bâtir l'arche. Rends sa bateau là. Lili finit faire ce, il accomplit ce devoir. Bon Dieu accomplit sa promesse. Là, la promesse que Dieu finit faire à Noé, il accomplit maintenant. Parole qui bon Dieu dit, parole là pas. Parole qui bon Dieu dit nous, dans une génération, nous pouvons vivre aujourd'hui. Dieu dit comme ça vraiment, il prépare une place pour chacun de nous, il tient nous depuis dans le monde. Après qu'il dit, un jour, je pouvais cesser l'église, je pouvais aller. Mais comment peut prendre ça sérieux? Pareil, comment il prend bateau, noué avec sa famille, il représente aujourd'hui l'église. Ce bateau-là représente l'église. Dans bateau de Noé, il y a environ 8 personnes qui ne sauvaient, sauveraient. Mais aujourd'hui, dans bateau, ce qu'on appelle l'église, combien de chrétiens pour sauver dans l'église qui était? Chrétiens qui peuvent guetter ce soir, l'église que tu étais, l'église que tu allais, là-dedans, combien de chrétiens pour sauver là-dedans? Quand Dieu pouvait le prendre, combien il pouvait prendre pour aller là-dedans? La pluie fin tomber, bateau fin flotter, fin aller. Dieu, me dire en l'autre mot, Dieu fin prend famille Noé, fin aller. Fin sauve les autres, fin épand les autres, fin protège les autres, fin amène les autres jusqu'à de l'eau fin baisser, et amène les autres l'eau la terre sec. L'histoire l'irait répéter dans sa génération, nous peut vivre là. Avant qu'il y ait sa génération là pour aller, Jésus-Christ pour finir retourner. Et comment du monde peut préparer pour rentrer dans sa bateau? Comment pour trouver dans sa bateau? Comment peut vivre avec sa l'objectif là qu'il peut trouver dans sa bateau? Comment il a un but qu'il fait tout pour tout, son but c'est rendre un bateau l'un jour. Quand Jésus vit cesse sur l'église, tu trouves dans sa bateau là de bien. Une question, il donne à réfléchir. Donc, malgré cela, la route est difficile pour Noé, mais il n'a pas perdu le but de sa vision. Et il vient atteindre son objectif jusqu'à la finale. L'importance qu'il connaît, l'importance qu'il a pour Noé, il connaît côté où il peut aller. Il connaît dans quelle direction qu'il peut aller. Ça qui est important dans la vie de Noé. Que tu connais sa direction. Ben là, dire ce qu'ils ont envie, faire ce qu'ils ont envie, cause ce qu'ils ont envie, cause et dire tout. Mais ils connaissent quand ils peuvent aller. Combien de chrétiens connaissent quand ils peuvent aller? Combien de chrétiens connaissent quand sa direction? Même qu'il peut être même qu'il y a des misères, il peut traverser, même qu'il y a des subir, il peut subir. Combien de chrétiens connaissent qui sont objection, sont objectif qui gagnent? Pareil, comment la Bible parle nous, pour terminer, la Bible parle nous comme Abraham. Abraham, pareil comme on l'a lu de la Genèse, chapitre 12, verset 1 à Déligiano. Abraham, quand nous guettons Abraham, quand Dieu dit à Abraham, sorti, quitte ton pays, et vraiment, et quitte ton pays, sorti, allez, vous faites une grande nation, etc. Dieu fait la promesse, vous pouvez donner des enfants, vous pouvez donner des enfants, pour toi-même, dans ta génération. Abraham, pas trouvé, pas connu, n'est qu'il sorti. Il sortit le finale sans qu'il ne même pas connaître comment sur la vie pour être et comment vraiment il prenait sa garçon de la promesse de Dieu là. Il même pas connaître qui vraiment est comme une multitude de peuple bon Dieu pour donner. Non, il n'a pas connaître, il sortit le finale. Mais qu'il sortit le finale, il n'a pas un objectif.
Dieu, il met un plan devant lui. Dieu montre lui ce plan. Plan qui, bon Dieu, il a pour lui. Mon facteur, il a pour une grande nation. Mon facteur, il a un enfant de la promesse de Dieu. Lors sa promesse, lors sa parole là, il sortit. Il garde sur la foi, sur confiance, parce qu'il maintenant, il y a un but, un objectif dans son vie. Il prend sur madame, il prend sur le neveu l'autre, et sur ma famille, il sortit. Quand Pierre lui-même pas connaît. Comment ça peut être lui-même pas connaît. Comment il peut vivre lui-même pas connaît. Comment ça peut traverser lui-même pas connaît. Mais seulement Dieu fait dire. Dieu finit promettre une petite chose. Dieu finit pose un plan devant lui. Mon prophète est une grande nation. Il dit, voici le sable de la mer. Tu n'es pas contre le sable de la mer. Il dit, non, mais puisque tu n'es pas capable de compter, ça compte le peuple est beaucoup de toi. Pas trouvé. Mais c'est même un plan devant lui. Abraham finit un objectif dans son vie pour y atteindre. Et à un moment donné dans la vie, Abraham finit passe par beaucoup de moments difficiles dans son vie pour cela atteindre dans son vie. Pour y arriver là-bas. Pour ce mal promesse là accompli dans son vie. Aujourd'hui, la Bible parle d'Abraham. Abraham, la Bible parle le père de la foi. Peut dire c'est Abraham le père de la foi. Mais pour qu'il lui nomme le père de la foi, il connaît un moment extrêmement difficile dans son vie. Mais malgré les difficultés de la vie, Abraham pas de sens aux décisions. Abraham pas de découragé. Abraham pas de kill pour d'hier. Parce qu'il fait, il y a un but. Il peut vivre pour un but. Il peut vivre pour un objectif, pour atteindre son objectif. La Bible dit à nous, nous avons une difficulté qui lui fait face. La Bible dit à nous, à un moment donné, l'une besoin séparer avec son et l'autre. Parce qu'il fait une discussion entre berger, troupeau, ça, tu peux créer une querelle entre lui et son évé. Tu peux vivre un problème familial. Les lames, Abraham, tu es besoin de prendre une décision séparée avec son neveu l'autre, il est besoin de séparer. Si tu es à la droite, moi à la gauche, si tu es dans le sud, moi vers le nord. Choisis-le, guettez quand tu vas aller. Finalement, un moment difficile. Deuxième difficulté, il rencontrait, il fait rendre Abraham, finalement, dans la guerre qui n'a pas pourri. Il est besoin de délivrer son neveu l'autre, que finalement, être prend lui comme prisonnier. Il besoin mobilise combien des hommes pour le combattre, pour le délivrer, vraiment se lever dans Genèse chapitre 14, le verset 14. Fini avec ça maintenant, il passe par l'autre problème, le problème avec Sarah et Agar, concernant Ismaël. Il besoin faire face à ce problème-là. Quand il finit ça de ce problème-là maintenant, il fait là un enfant, Dieu, la parole commence à s'accomplir dans son vie. Dieu donne lui un garçon, Isaac. Quand le garçon finit grand maintenant, Dieu demande ce garçon-là comme holocauste, le sacrifice dans l'autel. Mais malgré toute sa difficulté qu'Abraham fait passer, Abraham est tenu ferme. Qui fait qu'il tenait ferme? Qui fait qu'il n'est pas découragé? Qui fait une continue sur la mort, coûte quoi qu'il arrive. Il a un objectif dans son vie pour y atteindre. Tant qu'il n'est pas fini d'atteindre son objectif, tant qu'il n'est pas fini de voir son plan. C'est pour ça qu'on nous dit qu'un chrétien peinant objectif dans son vie, il n'est pas un objectif, il peine un but pour son mort, et l'homme qui est chrétien, il est mort dans la vie. Deuxième chose, quand il peine un objectif, il peine un but dans son vie, chrétien pour décourager vite. Chrétien pour décourager vite, peine un but, peine un objectif dans son vie, chrétien pour abandonner vite. Et chrétien pour arriver même, qui fait aujourd'hui beaucoup de chrétiens finissent céder à la tentation, à la péché. Qui fait beaucoup de chrétiens, beaucoup posent question, frère, mais il y a un chrétien ça, qui fait son vie comme ça. Comment il peut vivre dans le péché comme ça? Qui fait qu'il tombe dans le péché? Qui fait qu'il cède? Appelle ça. Qui fait qu'il cède avec tentation? Parce qu'il peut un objectif. Il peut un but de vivre. Sur la vie, il peut vivre dans les vagues. Tellement il peut vivre dans les vagues haute-bas, comme le vague de la mer. La tentation lui venit comme le vague. Il balayer lui dans sa tentation-là. Il enveloppe l'ici, il n'allait. Qui fait? Parce qu'il peut un objectif dans sa vie.
Si j'ai un objectif pour atteindre dans la vie, et tu peux lutter dans la vie parce que tu fais, tu connais un jour, tu as atteint sa royaume de Dieu. Tu connais le paradis, Pétanie. Tu connais la vie éternelle, Pétanie. Tu connais qui, Pétanie. Puisqu'il n'est pas pris en considération. Aujourd'hui, je vais terminer. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas prendre en considération sur la vie, sur l'objectif. Qui fait? Parce que le diable vient aveugler le chrétien sur l'intelligence. Le diable peut donner l'occasion au chrétien pour réfléchir, pour penser, pour prendre décision. Pas peut donner le chrétien le temps pour réaliser qu'il peut perdre, quand il peut rentrer, quand il peut tomber. Le diable peut mettre tout qui sort de luxe devant le monde. Et le monde, ça déjà pour lui, ça. Mais quand il peut mettre un casier, beaucoup de chrétiens peuvent rentrer dans les casiers, dans les pièces du diable, attirés par le sort de ce monde, sans qu'il les rende compte. Il peut détourner de son but, de son objectif, pour lui rendre dans le ciel. Dieu fait mettre le plan devant toi, il dévoile ton esprit, ton intelligence, il lave-toi de tout ton péché, et le plan que Dieu fait mettre en toi, un plan de bonheur et non pas de malheur. Quel est le plan de bonheur pour cette génération? C'est la vie éternelle. Quel est le plan de bonheur pour cette génération? C'est le royaume de Dieu. Mais combien peut prendre cela au sérieux? Est-ce qu'il vraiment te peut faire tous tes efforts pour toi atteindre ton objectif? Quel est ton objectif? Ton objectif qui était le monde, son plaisir, son désir, son divertissement, son amusement, son luxe qui est là. C'est ça ton objectif? Si ça ton objectif, ça qui sera pour retenir toi, pour garder toi ici, bas même de la terre. Et tu pas perdu le salut, tu pas perdu ton royaume. Le royaume que Dieu vient réserver place pour toi. Mais si ton exemple, ton objectif là-haut. Si tu te rappelles qui bon Dieu met devant toi, si tu te rappelles qui bon Dieu promet toi, si tu te rappelles qui qualité de merveille Dieu vient réserver pour toi, quoi qu'il arrive, difficulté, problème, insulte, tout qualité qui soit capable de souffrir, tout pour souffrir, tout qualité tentation capable de venir devant toi, tout pour résister, parce qu'il fait, tu as un objectif. Qui ton objectif? C'est comme Noé, lui et sa famille, il rentre dans le bateau. Qui est objectif? Ton objectif, toi et ta famille, un jour tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ce soir, voici ce que Dieu tient à dire ce soir. Prépare ta famille. Prépare ton bateau, c'est ton salut. Bâtir, construire, toute qualité qui chose te pour tendre, qui a tes paroles découragées pour nous. Tout cas, t'es l'épidémie pour venir. Tout cas, t'es fracas pour venir. Tout cas, t'es tentation. Tout cas, t'es péché pour venir devant toi. Mais si tu focuses sur ton but, si vraiment tu prends à cœur le but de ton vie, c'est atteindre le royaume de Dieu. Mais tout cela pas pour capable de faire ton nom et de la terre. Qui raison tomber, chrétien? Et voilà la raison. Parce qu'il peine un objectif, il peine un but. Qui fait chrétien ici, elle tombe dans tentation, dans tentation, dans péché, dans toutes sortes de mal, comme le peuple d'Israël qui saute dans l'Égypte, comment je ne retourne dans l'idolâtrie, dans l'adultère, comment? Parce qu'ils ont oublié leur target, ils ont oublié leur objectif sur les Canaan terrestres, où coule le lait et le miel. Mais Dieu ce soir fait une réserve au royaume de Dieu. Frère, est-ce qu'il fait trop tort pour moi? Et ce soir, donne-moi 5 minutes. Maintenant, on vous cause avec les personnes qui t'écoutent. Frère, est-ce qu'il ce soir est trop tôt pour moi? Est-ce qu'il ce soir, quand mon fils tombé, peine à s'y mettre? Est-ce qu'il est capable de recommencer? Oui, bel et bien, oui, tu es capable de recommencer ce soir. Tu es capable de recommencer ça là. Retourne-toi à sa but et sa objectif que Dieu met devant toi. Dieu met le royaume de Dieu devant toi. Satan fait mettre son royaume devant toi. C'est à toi de choisir. Est-ce qu'il te content d'être dans le royaume que le diable fait préparer pour toi? Ou ça fait l'air pour te tourner les dos, pour te sortir? Te consacrer, te focus, l'auto-objectif, quand Jésus-Christ pour venir, qui m'a capable à l'ensemble avec nous. Fais tes efforts ce soir. Prends une bonne décision ce soir. Réorganise-toi ce soir. Connais
qui côte te peut marcher ce soir. Nous connaît côte les chipiales. Ce soir, si ton père dit, te fait des routes, ressorti, connaît côte te peut aller maintenant. Aller pour le meilleur, marche pour le meilleur, souffert pour le meilleur. Enduire toute bonne sorte de vraiment capable et non l'eau à la terre là. Mais allez, enduire-le, mais malgré qu'il te peut endurer, mais c'est moi de commencer pour le meilleur. C'est pour cela que ce soir, on écoute la parole ce soir, nous pas pour quitter toi la même matière nous parler ce soir. Tu as une décision pour prendre ce soir. Est-ce qu'il te dans sa bateau là, Jésus demain peut retourner? Est-ce qu'il te trouve toi dans sa bateau là? Est-ce qu'il te coule dans bateau là? Est-ce qu'il te bateau fini construire? Construire des bateaux veut dire construire toute la vie. Est-ce qu'il te peut bâtir toute la vie spirituelle? Te peut bâtir toute la vie de chrétienté? Est-ce qu'il te peut bâtir pour te salut? Ce soir, réfléchis. Quand tu peux réfléchir, ne pas pour quitter pas tout seul pour te réfléchir dans Marie Noire. Et ce soir, nous avons toute une équipe qui est là, qui peut encadrer toi ce soir. Beaucoup de personnes, une équipe qui pourront en contact avec autres. Par un simple SMS. Sans qu'ils gaspillent un call téléphone qui coûte autres. Par un SMS. Une personne pourra en contact avec autres. Ouvrez autres l'équipe. Causez, partagez, racontez une difficulté. Demandez qui je peux besoin faire. Je dis de peut gagner le temps, nous là pour encadrer toi. Mais demain, pour trop tard. Si déluge, il commence à venir, bateau, il commence à flotter trop tard. Si Jésus-Christ, il vient, la peau de la grâce, il ferme trop tard. Je dis, si c'est toujours aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons faire tout, pour étendre la main. Pour tirer une personne qui vit trop jeune dans sa situation découragée, vague de la mer, refroidie et marche à la légère. Parce qu'il n'y a aucun but, il n'y a aucun vraiment et target pour cette atteinte. Je ne connais la vision même. Je n'ai pas aucune vision qui est un chrétien. Qui vision qui tu es non comme chrétien? Beaucoup de chrétiens, à cause, ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucun objectif, ils n'ont aucun target. C'est même qu'ils marchent à la laisser. Je dis les chrétiens, dis mais pas chrétiens, dis mais les chrétiens, après dis mais pas chrétiens. Je dis ils trouvent vraiment, ils capables à dire, dis bon Dieu, dis mais ils trouvent pas capables à dire, bon Dieu, qui fait? Parce qu'ils n'ont aucun objectif. Ils n'ont pas connu le but que Dieu fait, il tient dans le monde, dans les îles. Ils n'ont pas connu le vrai but qui fait, bon Dieu. Mais ce soir, tu connais le vrai but ce soir. Puisqu'il te connaît peut-être, vous dire sa parole-là, il prend un grand travail, il peut faire dans tous les cœurs. Quand il fait un grand travail, monsieur, tu peux crier secours. Quand tu peux crier secours, peut-être vous dire, mais bon, on écoute le message-là. Mais qu'est-ce que vous faites dans vos secours? Bon Dieu, il est là-haut, mais comment vous pouvez faire? Mais Dieu peut avoir ce man servant, ce man serviteur vers eux. Pour prendre une doléance, pour rendre dans une faiblesse. Pour se soutenir les autres, pour se consoler les autres, pour se encourager les autres, pour se donner des épaules, pour que la foi revienne fort. Nous avons très peu de temps, le temps est très proche. Jésus peut retourner bientôt. Est-ce qu'il te paraît dans le bateau? Est-ce qu'il te bateau même fait une parée? Combien des années t'as converti? Combien des années fait une coûte Noé pour bâtir le bateau? Combien des années coûte toi depuis t'as converti? Est-ce qu'il te lave, te range, te résiste à la vie là? Et ce soir, nous qui sommes dans notre équipe ce soir. Vous pouvez trouver notre site là même et un numéro de téléphone là-dedans. Prends le numéro de téléphone là. Sonnez, ou avez un message. L'Ipoilé est l'équipe qui est stand-by, qui est là pour soutenir les autres. Votre message est bel et bien pour entendre, pour tendre. Votre cri pour tendre. De détresse pour prendre en considération, pour t'en pour écouter. Nous pas pour faire sous d'oreille avec eux. Si vraiment tu es sorti, si tu es vraiment tout le temps dans ce bateau-là, si vraiment tu as envie ton âme, ton âme pour être en bonne santé, elle est l'apôtre Dieu ouvert pour toi. Un apôtre, on appelle ça un apôtre de contact, qui a tout bon serviteur, bon servant du Seigneur, qui pouvine à ton l'aide. N'a pas en Dieu si tu les cœurs. Et dans ce confinement,
Noé fit gagner l'occasion pour lui penser qu'il errait. Ça, le monde l'a fait faire. Il a eu l'occasion, Dieu fin averti. Noé fin averti, Zotou. Zodi, toi, tu fin être averti. Mais qui ce soit, quand le bateau lui flottait y aller, Dieu prend son peuple aller. Mais qui toi, tu n'as pas trop de erreur qui t'en a fait de rester. Pas rester là, à la terre. Une catastrophe qui peut venir, des grands trucs. Et tribulation qui peut être de 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi, la venue du Antichrist sur l'apparition, le mort de la bête sans sa mort là, pour capabaster, pour capabander, qui te peut faire si tu peux te parer pour rendre sa bateau là demain. Donc aujourd'hui, c'est toujours. Dieu sur l'amour est grand pour toi. Dans le livre de Jérémie 29, 11, Dieu n'a un plan de bonheur pour toi. Qui fait te fermer la porte de l'équerre. Qui fait te compte en toi quelque chose qui est temporaire. Ça les monde, ça la terre, là, du mets la terre la même pour détruire. Tout ce qui te rangeait, tout ce qui te accumulait, tout ce qui te ramassait, tout pour quitter la même pour aller. Tout ça, c'est faux, te le faire là pour quitter quelque chose, pour quelque chose en bas. Et si là-haut, la même te prendre, rester, rentrer, à quoi sert-il en bas? Qui peut atteindre toi maintenant? Donc ce soir, pour qu'il ça le cliquer. Donc ce soir, nous pour prier ce soir. Nous vous demandons tous les membres de l'Église ensemble, unir-nous dans ce l'équerre, dans ce l'esprit, dans ce pensée. Nous unir-nous ensemble. Nous vous prions à toutes les personnes qui ont envie vraiment trop lit dans l'arche, envie trop lit dans sa bateau-là. Qui peut-être beaucoup de personnes, vous ressentir dans beaucoup de personnes ce soir, puis envie refaire sur la vie, redresse sur la vie. Et puis on vit maintenant avec un chrétien qui est solide, un chrétien qui est vraiment rempli de l'Esprit Saint, plein de foi et envie. Et d'autant non, aujourd'hui même, pour être dans l'écoute, c'est toujours aujourd'hui. Nous demandons tous les chrétiens de l'Église de Saint George et tous les autres chrétiens peut-être qui sont en libre et en bonne santé spirituelle. Laisse-nous pour unir nous ensemble, nous pour prier pour cette bonne personne-là. Et toutes les personnes qui ont envie vraiment un changement aujourd'hui, une transformation. Dans sur la vie, dans toute la classe que tu es avec ta famille. Même si ta famille ici en déroute, ta famille en déroute, il prend une mauvaise décision. Ce soit cause de ta famille. Encourage ta famille. Montre-lui ce soit Dieu nouvel apôtre, lui. Parente tout seul dans le bateau. Prends ta famille comme Noé que sa famille vient rentrer. Pose la main, les autres l'équerre ce soir. Pour prier pour autres, ferme votre léger, chacun dans la classe. Tu vas faire comme une religion, c'est pas une religion, c'est pas une tradition. Peine un anien qui est religion, non, il est idolâtré, peine un anien. C'est toute une vérité, la vérité de prêcher. C'est que dans la Bible, non, c'est un qui n'a prêché. Donc la Bible dit, c'est la parole de Dieu, vraiment, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui parle avec toi ce soir. Puisqu'il est un chrétien, aussi peut-être, tu connais bien la Bible, c'est Dieu qui parle avec toi. Donc, pose la main autour de l'équerre. Et nous demande tous les membres de l'Église, nous servons l'équerre ensemble. Laisse-nous prier pour savoir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bon, priez-toi, Seigneur Dieu, pour tous les membres. Vraiment, Seigneur, de ton pâturage, différents pâturages, même de nouveaux nouvelles qui viennent entendre cette parole. Seigneur, étends ton âme puissante, l'os de la vie, Seigneur Dieu. Seigneur, blesse, qui vraiment, qui se fait blesser, Papa, dans votre équerre. Je me blesse dans votre vie, Seigneur Dieu. Seigneur, fais le pansement de notre équerre ce soir, Dieu. Pense notre équerre, mon Dieu, Papa. Seigneur, pardonne-nous notre erreur, notre offense qu'ils ont fait vis-à-vis de toi. Pardonne-nous pour une mauvaise décision qu'ils ont fini dans notre équerre, mon Dieu. Seigneur, parce que le diable finit avec les autres pensées, finit avec les autres la foi, notre équerre, qui peut empêcher de trouver notre objectif qu'ils ont fini, Papa. Ils détournent le chemin de la vérité. Le diable finit met quelque chose qui, avec qui je peux gagner une préoccupation, je peux finir le temps avec ça, quelque chose là, au lieu que je peux focus le but de la vie même pour l'éternité, Seigneur. Ce soir, je prends l'autorité, Papa, je brise tout l'esprit, toute la puissance du mal, toute la
filet de Satan, le diable, qui envoie la vie de sa bande chrétienne-là. Papa, me crase tout ça, me détruit me détruire sa bande filet-là, au nom de Jésus-Christ. Me réclame sa lame de sa bande personne-là. Seigneur, guéris cette lame. Bande lame qui enchaînée, une garde captif, mon Dieu. Que Satan fait une garde captif dans ma chambre. Une garde prisonnier, me briser, me casse sa bande la scène-là. Et sa bande la côte-là, défoncé dans le nom de Jésus. Ça va l'âme libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va l'âme libérer dans le nom de Jésus. Je te l'ai libéré, je conscience libérée, Seigneur. Je peux recevoir de délivrance ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, vous bénitoire ce soir pour l'intervention de ton âme puissante, Seigneur. Et ce soir, nous ressentis dans le monde spirituel, comme ben l'âme peut libérer, ben l'âme peut délivrer ce soir, ben l'âme peut libérer, ben la sainte peut casser, ben l'âme qui est malade peut guérir, ben guérison divine, nous peut pas, ben guérison divine, divinement peut guérir, ben l'âme peut guérir, parce que la parole fait descendre dans sa lèvre là, la parole fait descendre dans ta conscience, la parole fait descendre au-dedans de toi, et ton âme fait vivre ça la parole là, et ton âme fait respire ça la parole là. C'est un oxygène fraîche, un oxygène spirituel qui ton âme fait respirer ce soir, et lui reprend la vie à nouveau au nom de Jésus-Christ. Beaucoup ma âme peut libérer, peut guérir, peut délivrer. Tous, beaucoup de personnes qui sont en captivité, qui sont prisonniers, pas qui connaissent qui peut faire, comment pour faire, comment bien marcher, mais ce soit beaucoup peut libérer, peut guérir dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes peuvent guérir physiquement parce qu'ils tellement ont été accumulés par un problème de ce monde, par un tracas matériel, par un tracas, un objet ici-bas. Beaucoup peuvent relâcher dans notre cœur, peuvent relâcher les choses matérielles, peuvent repentir. Beaucoup nous ressentir dans le monde spirituel. Beaucoup peuvent repentir, d'autres peuvent l'ordre les choses de ce monde, peuvent l'ordre le matériel de ce monde. Beaucoup peuvent prendre une bonne décision pour mettre la vie en règle, pour préparer notre bateau, pour préparer notre famille, Seigneur. Exaute Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Guéris notre Seigneur, libère notre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Et ce soir, nous prions peut-être un nouveau, une nouvelle ce soir, et peut-être un ancien même qui est malade. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois Jésus-Christ, il ressuscité les vivants, si tu crois de tout l'équerre, tout pour recevoir son miracle ce soir. Pose la main de ton équerre. Tout ce qui est malade, pose la main de son équerre. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi prier pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, ben nouveau nouvelle. Moi prends l'autorité dans le nom de Jésus. Moi commande à tout ben l'esprit, à tout ben démon de la maladie qui pénétrait dans notre chair, dans notre corps. Moi prends l'autorité dans le nom de Jésus. Moi menace à sa ben l'esprit là. Moi menace à sa ben maladie là. Et moi ordonne sa ben malade là. Quitte les corps de sa bonne personne là, à l'est toi-même, dans le nom de Jésus-Christ, le malade fut guéri dans le nom de Jésus. Tu ne finis guéri, tu ne finis recevoir. Crois seulement, crois par la foi. Crois, douleur la fin aller. Crois, maladie la fin disparaît. Crois, tu finis être libéré ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, alléluia, amen. Voilà, nos réunions tiennent à sa fin ce soir, et aussi nous donnons autres continuellement, nous vous restons avec autres continuellement, et nous encourageons aussi, tout peut-être qu'ils viennent nous pour la première fois, nous encourageons aussi, reste avec nous sur sa site de l'église, de Seal Church là. Et le site, je viens de rentrer, je fais une écoute le message, re-rentre le site là. Nous donnons rendez-vous vendredi et vendredi à la même heure. Donc à 7 heures du soir, fini dîner, fini cuisine, de manger. Et jeudi, vendredi maintenant, nous prenons nos rayons de l'enseignement. Nous demandons de faire des efforts, tout unir, regroupe d'autres, re-rentre le site là. Et connectez autres avec le site de l'église. Et venez écouter maintenant la réunion de l'enseignement.
La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périr. Qui fait beaucoup de chrétiens peut périr, peut subir toutes sortes de choses dans la vie, parce que c'est un manque de connaissance dans la vie. Donc, je peux gagner ben, l'occasion maintenant, prenant la connaissance de la parole de Dieu. Nous invitons, encourageons, joignez-nous vendredi aussi à 7h, et vraiment, dans le même site de l'église. Aussi, après avoir qu'ils ont fini d'écouter, et là, ben serviteur, ben servant du Seigneur, pour rentrer en contact avec eux, pour prendre des nouvelles et pour encourager eux, pas hésiter pour débiter eux l'équerre, pas hésiter pour eux les secours. Nous, là, nous pouvons avoir la main pour soutenir eux. Donc, Dieu bénit tout un chacun de vous, Dieu bénit votre famille, Dieu bénit votre enfant, et mon ressenti fortement dans le monde spirituel, beaucoup l'âme fut guérie, beaucoup l'âme fut réjouie, beaucoup l'âme la paix, la joie. Une rentre dans sa bande l'âme là, veut dire régler la vie, et beaucoup de personnes, cette l'âme fin guérie, fin délivrée, beaucoup de la scène fin cassée. C'est le travail magnifique de la personne du Saint-Esprit qui vient faire dans l'invisible. Aussi, de personnes qui sont malades, le Saint-Esprit fin touché par son âme dans l'invisible, et que Dieu bénisse, que la grâce de Dieu y accompagne. Donc, c'est l'occasion pour dire bon appétit et bonne nuit dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade qui trahit lui, ben a fin arrêté lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fin battu lui et il a un coup de fouette. Un couronne d'épines sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, du monde qui peut battre lui, maltraite lui, crache le lit. Mais Jésus pas de regard en arrière. Au contraire, il continue, avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du fait tomber depuis dans le ciel, ou ça ordonne ce bon ange de s'écouler. Mais Jésus pas t'y intéressé pour sauver lui-même, mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui font partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher-toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui et un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière-là avec moi. Fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Comment m'aider? Pardonne-moi mon bonne faute. Pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, me reconnaître que tu es le Fils du Dieu vivant, tu es venu sur la terre, tu donnes la vie pour moi sur la croix. M'accepter toi comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartient à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître. Et moi, les enfants, bon Dieu. Moi, je te remercie, Jésus, te compte en moi. Merci, Papa. Et merci, Saint-Esprit. Alléluia. Me donne-toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout de l'équerre, nous avons envie de prier pour toi. Viens-en avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vaqua. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que ben est capable de prier pour toi. Encadrez-toi et montrez-toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.